Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à identifier les groupes compléments circonstanciels pour les distinguer des autres groupes compléments. Vous pouvez remarquer que j'ai rajouté deux groupes compléments par rapport aux autres vidéos. Nous allons en avoir besoin. Rien de plus simple pour identifier un groupe complément circonstanciel. On peut le supprimer de la phrase si et seulement si elle ne change pas de sens ou devient incorrecte. Tentons l'expérience avec le groupe hier. Si je le supprime, j'obtiens la directrice de l'hôpital a demandé aux patients leur adresse personnelle dès leur arrivée. On peut constater que ma phrase a du sens et reste correcte. Le groupe hier est donc un groupe complément circonstanciel. Par contre, si je supprime au patient, cela donne hier, la directrice a demandé leur adresse personnelle dès leur arrivée. Ma phrase n'est plus correcte. À qui est l'adresse en question? On ne peut donc pas supprimer au patient, qui n'est pas un groupe complément circonstanciel. Pour l'instant, il reste simplement un groupe complément. Essayons avec le groupe dès leur arrivée. Hier, la directrice de l'hôpital a demandé aux patients leur adresse personnelle. Ma phrase reste correcte et elle a le même sens qu'au départ. Dès leur arrivée est donc un groupe complément circonstanciel. Occupons-nous enfin du groupe leur adresse personnelle. Hier, la directrice de l'hôpital a demandé aux patients dès leur arrivée. Vous constatez bien que la phrase n'a plus de sens et donc elle n'est plus correcte. Ce groupe ne peut pas être supprimé. Il ne s'agit pas d'un groupe complément circonstanciel. Pour l'instant, cela reste un groupe complément. On pourrait aussi effectuer le test du déplacement. Les groupes compléments circonstanciels peuvent être déplacés dans la phrase. Mais les autres groupes compléments ne le peuvent pas. Attention, cette méthode ne fonctionne pas toujours. Il vaut mieux utiliser la méthode de la suppression. Voilà le résultat. En gris, les groupes compléments circonstanciels. En noir, les autres groupes compléments que l'on identifiera dans une autre vidéo